nous faisons de la musique depuis très longtemps et nous avons déjà vécu l'expérience de la majeure qui sait mieux que nous et des garçons qui savent mieux que nous quand on avait nos projets séparés avec Aurélie. Donc voilà, c'est juste le fruit de notre expérience qui fait qu'aujourd'hui nous sommes heureuses et nous avons envie d'être complètement indépendantes artistiquement. On a décidé de monter notre label parce qu'on est très... On est très indépendantes depuis le départ en fait, même le tout début de Brigitte, on avait produit notre première EP, on avait produit nos trois premiers clips, on avait tout fait. Et donc voilà, c'était assez naturel pour nous puisque on envisage ce groupe comme une maternité. C'est comme un enfant, on s'en est occupé du début à la fin, on l'aime, on y réfléchit, on y pense, on a envie de le faire grandir ensemble. Parce qu'on sait qu'on l'aime très fort. Brigitte, pour nous, c'est ce qui nous a sauvé la vie. On tourne beaucoup, on travaille beaucoup, on peut écrire pour d'autres. Finalement, pour nous, tout ça est un peu fou parce qu'on fait de la musique depuis tellement d'années. Et pendant tellement d'années avant Brigitte, nous avons galéré. Nous avons galéré financièrement. Enfin, c'était pas facile. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes... très chanceuse. On parle énormément, on parle des choses qui nous touchent, on parle des choses qui nous sont arrivées, on parle d'émotions, on parle de choses qui nous inquiètent, voilà. Et puis on construit avec ça. Ça peut être un pattern de batterie qu'on écrit d'abord, ça peut être un riff de guitare, ça peut être la voix seule, ça peut être un mot. Et on façonne comme à la manière d'un jeu de ping-pong une chanson en surenchérissant à chaque fois sur la fantaisie et l'émotion de l'autre. La création, c'est extraordinaire, c'est infini en fait. Moi, je pourrais, je pense, écrire éternellement des chansons avec Sylvie si ça se passe comme ça. On s'aime tellement fort et puis on s'est tellement apporté ce qui fait de nous aujourd'hui des femmes heureuses, des femmes peut-être plus jolies qu'avant, des femmes plus fortes qu'on imaginait qu'on serait un jour. On s'est apporté tellement de confiance et de bonheur que c'est pas parce qu'un jour on n'est pas d'accord sur la couleur d'un vernis à ongles ou une note de guitare ou un mix que ça va tout prendre en l'air, pas du tout. Mais on discute et puis on parle beaucoup. Qu'il y ait plein de voix au féminisme, que les femmes puissent, voilà, qu'aujourd'hui les femmes osent être provocantes, plus provocantes, simplement provocantes. Chacun prend la parole comme il veut. Ce qui est important le plus, c'est que tout le monde soit libre et que, voilà, que toutes les voix des femmes soient libres, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient. L'ascenseur, c'est ta vie.